fonction parking main libre permet de repérer une place de stationnement et de vous garer ou de sortir d'une place de stationnement en créneau sans la moindre action de votre part sur le volant. Grâce aux informations recueillies par les détecteurs à ultrasons placés à l'avant et à l'arrière du véhicule. Notez que pour vous aider dans la manœuvre, la mise en marche du parking main libre s'accompagne de l'activation de l'aide au parking et pour les véhicules qui en sont équipés, de la caméra de recul. Pour activer cette fonction, depuis votre écran central Open Air Link, rendez-vous dans le monde Véhicule, puis sélectionnez Parking main libre. Selon vos choix de personnalisation, vous pouvez également activer cette fonction depuis le bouton Favoris de votre volant. Ou en sélectionnant directement le widget sur l'écran d'accueil de votre système multimédia. Vous avez le choix entre trois types de manœuvres. Se garer en créneau, en bataille, ou sortir d'un stationnement en créneau. Pour le stationnement en bataille ou en créneau, lorsque vous roulez à une vitesse inférieure à 30 km/h, le système cherche pour vous une place de stationnement disponible des deux côtés du véhicule. Lorsqu'une place est détectée, elle s'affiche sur l'écran central avec la lettre P. Conduisez doucement jusqu'à l'apparition du message Stop, accompagné d'un signal sonore. La place de stationnement passe au vert sur l'écran central. Arrêtez le véhicule. Passez la marche arrière. Ce témoin apparaît au tableau de bord, accompagné d'un signal sonore pour vous indiquer le début de la manœuvre. Vous devez à présent lâcher le volant et suivre les consignes à l'écran. Effectuez simplement des manœuvres successives de marche avant et arrière à l'aide du levier de vitesse et des pédales. Votre vitesse ne devra pas dépasser les 7 km/h. Lorsque la manœuvre est terminée, le témoin s'éteint accompagné d'un signal sonore. Pour sortir d'un stationnement d'une place en créneau, activez la fonction, sélectionnez le schéma correspondant sur l'écran et actionnez le clignotant du côté où vous souhaitez sortir le véhicule. Lorsque la fonction est prête à intervenir, un message apparaît sur l'écran multimédia. Appuyez sur OK pour démarrer. Ce témoin apparaît au tableau de bord accompagné d'un signal sonore pour vous indiquer le début de la manœuvre. Vous devez alors lâcher le volant et suivre les consignes à l'écran. Une fois sorti du stationnement, le système vous avertit de la fin de la manœuvre par le message « Manœuvre terminée » sur l'écran multimédia. Et le témoin s'éteint au tableau de bord accompagné d'un signal sonore. Notez que la manœuvre est suspendue lorsque vous prenez le volant, lorsque votre véhicule est immobile depuis trop longtemps, lorsqu'un obstacle empêche la fin de la manœuvre, ou encore à l'ouverture d'une porte. Le motif de l'interruption sera mentionné sur votre écran multimédia. Assurez-vous que les conditions sont de nouveau réunies pour poursuivre la manœuvre. Dès que le témoin clignote au tableau de bord, cela signifie que le système est de nouveau disponible pour continuer la manœuvre. La manœuvre s'annule lorsque votre vitesse dépasse les 7 km/h ou lorsque votre véhicule a effectué plus de 10 mouvements avant-arrière en manœuvre. Le témoin s'éteint au tableau de bord, accompagné d'un signal sonore pour vous en avertir. Gardez bien à l'esprit que cette fonction est une aide supplémentaire qui ne doit pas remplacer votre vigilance de conducteur. Effectuez toujours un contrôle visuel pour vérifier que la place de parking proposée par le système est disponible et sans obstacle.